Bonjour, donc je suis Michel Dessolin, directeur général de la stratégie d'Unibail Rodamco, et j'ai travaillé avec de grands architectes, Jean-Paul Viguier et Luc Deleuze du cabinet Artel-Bildt, pour concevoir, en partenariat avec la ville et la région, un projet qui, de mon point de vue, préfigure ce que seront les grands centres commerciaux de demain, puisqu'on a souvent l'habitude de se poser la question. En réalité, le centre commercial de demain, c'est ce que vous pouvez voir sur ce centre commercial, qui est un centre multifonctionnel, c'est un lieu intergénérationnel, c'est la reconquête d'un morceau de ville qui développe à la fois des commerces, puisqu'il y aura 72 000 mètres carrés, des loisirs. Nous avons plus de 60 000 mètres carrés de loisirs, dont la plus grande partie et indoor, 9 000 mètres carrés de restauration, plus de 200 boutiques. Donc c'est un projet qui est dans la ville, qui est ultra connecté, et c'est quelque chose qui est important dans la stratégie d'Unibail Rodamco, puisque aujourd'hui nous voulons des centres qui soient écologiquement exemplaires. Alors l'écologie, c'est pas seulement les logements passifs qui vont être développés. Nous allons utiliser la chaleur du centre commercial pour alimenter les logements, mais également les transports en commun, puisque c'est le site qui sera le mieux interconnecté aux transports en commun de la ville, avec trois nouvelles lignes de tramway qui viennent renforcer le réseau de tramway existant, trois stations de métro qui sont autour du centre commercial, devant chacune des entrées, et des liaisons douces qui seront favorisées. Sur la partie loisirs, aujourd'hui, nous annonçons la fin de la commercialisation du programme de loisirs, puisque nous avons signé le plus grand cinéma de Belgique avec la société Kinépolis, qui va développer des nouvelles technologies. Nous avons signé un parc d'attractions indoor de 15 000 mètres carrés qui s'appelle Spiroulant, qui est tout nouveau. C'est le nouveau projet qui est développé en partenariat avec la Compagnie des Alpes. Ce matin même, nous avons signé le dernier espace de 1 700 mètres carrés avec la Cité des Sciences, et c'est un partenariat exclusif que nous avons pour toute la Belgique. Et tous ces équipements vont se développer autour d'une zone de restauration de 9 000 mètres carrés avec des terrasses intérieures, parce qu'il ne fait pas toujours beau à Bruxelles, mais également des terrasses extérieures qui donnent sur des grands jardins. Et nous lançons en même temps la commercialisation du grand magasin et de l'alimentaire. Voilà pour les grands points concernant ce projet.